Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de prendre le rendez-vous de la présentation de la Une du quotidien Matin Libre sur Guérite TV Monde dans sa livraison de ce vendredi 14 juin 2019. Nous allons maintenant tout de suite démarrer par cette information. Dans quelques jours, l'Afrique va vibrer au rythme du sport roi au pays des pyramides. Il sera bel et bien question de la CAN Égypte 2019 avec les décodeurs en HD et qui sont désormais passés à 5000. Vivez tous les matchs en direct et en exclusivité sur les bouquets Canal Plus. Grâce à Canal Plus Sport 1 et Canal Plus Sport 2, vous ne pourrez rien rater des rencontres. Vous les verrez toutes en simultané pendant qu'elles sont disputées. Procurez-vous donc le décodeur HD de Canal Plus au prix de 5000 francs CFA. Passons donc à Matin Libre. Premier forum Togo-UE secteur agro-business. Ricky Amadougou expose les atouts du Togo. Cette information, c'est à la page 2 du journal Matin Libre. Autre titre ce matin, Cotonou le juge une deuxième fois chez Yayi. Allons donc à la page 6 du journal pour découvrir cette information. Confidence de Soglo à Matin Libre, je n'ai jamais voté pour Talon. Cette information, il faut donc aller à la page 6 pour la découvrir. BEPC 2019, 56,72% déclaré admissible. L'information, c'est à la page 4 du quotidien Matin Libre. En fausse manchette haut du côté droit, il faut lire. Championnat de football, les meilleurs récompensés. Il faut donc lire cette information à la page 5 du journal dans sa livraison de ce vendredi 14 juin 2019. Et pour finir, mesdames et messieurs, opinion du docteur Elvis Abou, des sorciers et qui s'ignorent. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir de la Une du quotidien Matin Libre paru et parvenu à la rédaction de Guérite TV Monde et pour le compte de ce vendredi 14 juin 2019. Merci de nous avoir suivis et très bon début de week-end à chacun et à tous. Au revoir.